Guillaume Houet, qui est responsable de l'éclairage. Peut-être autre chose? De l'éclairage. On a Pierre. Antoine Lafontaine. On a Geneviève. Qui est aussi responsable des costumes. Oui. On a Marc-André. Bonjour. On a Joël. Et on a Benoît qui a plusieurs titres. C'est la direction de production, la régie et l'assistante à l'exercice. Alors, beaucoup de talent. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui faisait partie depuis ce temps-là. Non, moi, je même pas là. Je suis avec la Cabane Bleue. On arrivait à une autre compagnie avant d'arriver au Théâtre du Trillium. Ça s'appelait la Cabane Bleue. Et puis, c'est ça, avec cette compagnie-là, il y avait Marc-André, puis il y avait trois autres comédiens, c'est ça. C'était environ une cinquantaine de minutes. C'était 45-50 minutes. Au niveau de l'essence, au niveau de l'histoire, ça c'est resté aussi comme Anne-Marie a travaillé, mais en effet, au niveau des scènes, ça a pratiquement changé constamment au niveau du texte comme tel. Puis oui, c'est une scénographie beaucoup plus lourde avec des fenêtres, c'est ça. Puis il y avait aussi, parce qu'Anne-Marie travaille beaucoup à partir de chorégraphie aussi, ou de mouvements ou de gestes. Puis dans la première mouture, il y avait beaucoup de ces gestes-là qui ont été épurés dans l'ensemble de la façon dont certains qui ont l'habitude. C'est création. Oui. C'est des petits détails. Mais l'histoire de base, elle est la même. C'est que, mettons, il y avait peut-être une centaine de répliques dans la première version. Puis dans la deuxième version, on se retrouve plus à comme 3000 répliques. L'auteur original, c'est pas quelque chose à faire là-dedans. Oui, le même auteur. C'est le même auteur, le même metteur en scène. Mais l'auteur, c'est la metteur en scène et c'est la directrice artistique du théâtre également, moi qui l'ai demandé. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Le texte a été publié après que nous, on l'ait fait en tournée pendant Puis même là, le texte est publié, pas pareil à ce qu'on joue. C'est ça. Donc, le texte a été publié après qu'on ait créé la pièce de théâtre. Donc, ça a changé comme ça. Mais il faut vous mettre en contexte la nature même d'une création, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné. C'est jamais fini. Oui, non seulement ça, mais c'est souvent, on a tendance à voir le théâtre comme souvent comme un rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit des Shakespeare, des Molière de ce monde, puis on se dit, les auteurs de théâtre, c'est des monuments. Alors que quand on fait la création, et d'ailleurs Molière lui-même à l'époque, changeait son texte trois jours, donc, et improvisait énormément. Et donc je pense que quand on se place dans le présent, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, un jour, dans 100 ans, quelqu'un montra Écume à partir du texte publié d'Anne-Marie et le montra tel quel et n'osera jamais changer la moindre réplique puisque c'est le texte. Mais nous, avant même que ce soit publié, on donnait des commentaires, on disait non, ça c'est un petit, on fait ça, on essaie ci, on essaie ça, et Anne-Marie, après ça, rentrait, réécrivait, essayait des choses. Et donc, c'est la nature même d'une création, c'est de transformer constamment le texte. Et cette pièce est particulière parce qu'effectivement, comme le disait Benoît, on est passé de 100 répliques à 400 répliques. Je n'avais jamais réfléchi comme ça, mais je pense qu'une des différences fondamentales, peut-être des pratiques, c'est la proximité évidente avec le Québec. Parce que, évidemment, comme il y a une très forte culture francophone majoritaire dans ce cas-ci, l'évolution du théâtre québécois s'est faite, disons, un peu plus à l'image du théâtre européen ou du théâtre, disons qu'il y en a plus. Et donc, c'est intéressant parce que les compagnies de l'Ontario français particulièrement sont, souvent les créateurs sont formés ou viennent ou s'inspirent beaucoup des pratiques québécoises. Anne-Marie, par exemple, qui étant l'auteur que la metteur en scène, a été formée à Montréal à l'École nationale. Donc, je pense que c'est intéressant de venir ici aussi parce que c'est comme si, oui, c'est une autre forme de théâtre, c'est autre chose. Pas que c'est autre chose, pas que c'est mieux, moins bien, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans une autre histoire du théâtre francophone. Parce que l'histoire du théâtre francophone, particulièrement dans l'Ouest, elle est très différente, elle est beaucoup plus communautaire à l'origine, c'est beaucoup plus un geste identitaire, alors que du côté de l'Ontario, surtout une ville comme Ottawa, qui est frontalière, il y a une influence d'une autre histoire du théâtre. Et donc,
c'est assez intéressant pour nous de venir ici. Puis, en fait, un des regrets qu'on a, je pense, nous, c'est de ne pas pouvoir voir du théâtre, parce qu'évidemment, on en fait. Oui, on a Yann, tout à l'heure aussi, c'est que tu disais, j'ai pas tout compris, tu sais, puis, mais je pense aussi dans un texte comme celui-là, une pièce comme celle-là aussi, si on peut se perdre, c'est-à-dire, c'est chaque petit mouvement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois par exemple à la question, quand on penche vers l'arrière, quand on essaie de se casser la tête, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On peut se perdre un peu. Je pense à quelqu'un qui a beaucoup des impressions aussi, en bout de ligne, qu'elle veut qu'on retienne. Donc, je pense pas qu'on puisse se casser la tête à comprendre chaque mini-mouvement qui est le nom de la pièce, même s'il y a une raison ou même s'il y a eu un travail derrière. C'est un conte aussi, dans le sens où c'est une part théorique, je pense que si on, quand on lit un conte régulier, on écrit, on pose ça la question, mais pourquoi ils font ça? Ben, c'est comme ça, c'est tout, c'est un peu ça aussi, c'est de se laisser happer par cette part-là, pour faire, ok, ben je prends tout ce qu'ils disent, de faire, c'est, soyons naïfs, soyons beaux, soyons faibles. De ces miroirs en abîme de la situation du couple. Donc, évidemment, où aller chercher un autre malaise identitaire dans le spectacle, c'était l'identité sexuelle de Momo qui manquait. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que chaque personnage a son propre combat intérieur, elle entre la vie et la mort, moi entre la fiction et la réalité. En fait, il n'y a que Morgane qui reste à peu près. Moi, c'est un amour, c'est un bébé. Mais c'est intéressant parce que ça implique un choix moral, c'est-à-dire que l'auteur se positionne comme valorisant la fiction comme étant la solution ou la bonne chose. Parce que tous les autres personnages qui ne sont pas, eux, convaincus de la fiction sont tourmentés, ont des difficultés, vivent un combat X ou Y. Alors qu'elle, qui a, comme on dit en anglais, embrace. Ce petit côté-là, ben ça marche. Ouais. Ma vie est bien différente. Vos décors, vos éclairages, vous avez ça Laissons Guillaume. Mais le décor, oui, au fait, le décor, oui, on l'a avec nous, ça nous appartient. Oui. On l'a envoyé. Non, pas par avion, c'est un chauffeur qu'on a engagé qui nous amène le décor ici. Okay. Dimanche, rapido, on l'embarque pour qu'il y ait 12 heures pour qu'il n'en soit vrai. Il y a 24 heures pour se rendre à Vancouver. Puis, ben, l'éclairage, je vais laisser Guillaume parler. Oui. Est-ce que je peux monter avec le chauffeur? Non. ben, l'éclairage, ça dépend toujours de l'inventaire, des équipements qu'il y a et des positions d'accrochage disponibles. Fait que plusieurs semaines à l'avance, moi, je vais recevoir ces informations-là sur un plan en deux dimensions. Et je vais prendre mon design original, je vais le copier par-dessus le plan d'assad, je vais faire OK. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Je ne peux pas utiliser ça, je ne peux pas utiliser ça, je ne peux pas l'accrocher à telle place. Fait qu'il faut que j'adapte tout mon plan d'éclairage à la salle dans laquelle on va jouer. C'est moi qui positionne le décor par rapport au public, par rapport aux positions d'accrochage qui sont disponibles, pour pouvoir garder respecter l'essentiel de la conception. Puis, des fois, il y a des effets qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup d'adaptations à faire. Ici, très, 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 très satisfait du résultat. Là. C'est très beau. Souvent, on arrive dans des salles et puis, juste, c'est une simple question technique que les gradateurs ne fonctionnent pas de la même façon ou que l'intensité des lampes ne donne pas la même chose. Puis on fait « Oh, c'est tellement pas ça! » Mais ici, à notre grande surprise, on a fait le bouton « Go » puis ça fait « Wow, c'est super beau! C'est pas les mêmes équipements, ce ne sont pas les mêmes distances. Comme ici, on est presque deux fois plus haut que certaines salles. Alors, j'ai doublé le nombre de projecteurs pour certains effets pour pas que j'ai le triple de temps à la programmation. Parce que quand on pèse Go pour chaque image, puis j'en ai 150 images, là. Puis j'ai 75 projecteurs. Ça peut être long, la reprogrammation pour arriver aux mêmes intensités de couleurs. Ça peut être très long. Quand j'ai pesé Go pour la première fois ici, j'étais très heureux. Il y avait les dommages n'étaient pas très étaient moindres. Est-ce que je peux vous remercier? Parce que Guillaume, à chaque fois qu'on a des discussions, il n'y a personne qui lui pose de questions. Avant le spectacle, aujourd'hui, il m'a dit s'il y a une question. Parce qu'il m'a dit si jamais il y a une question, je te paye une bière. Non, j'ai dit je vais la boire à votre. J'ai dit que je paierais une bière à chacun. Ah!
Pas encore. Pas encore. Pas encore. Jamais. Talk to your friends.